Qu'est-ce qui vous révolte ? La question de la fracture sociale et de l'incapacité de la gauche à y répondre, par le vide de son programme économique et social. Et aussi l'association Génépi me permettrait... Vous avez un projet personnel ? S'engager pour le dialogue entre les cultures, quelque chose que l'ouverture à l'international ainsi que l'interdisciplinarité de Sciences Po me permettrait. Ce qui me porte naturellement à m'engager vers la diplomatie. Ou le journalisme. Julien va nous danser la danse du Limousin. Julien va nous danser la danse du Limousin. Le Limousin a dit... T'as regardé Sciences Po Nations Unies ? Non. Et le Front de Gauche ? Non, mais les réunions, c'est jeudi soir. Bah, Lise BDE, du coup. Hein. Lise BDE ? Pendant mon stage de troisième année au ministère de l'Agriculture, j'étais en charge de tout le dossier sur les fruits vendus en France. Quels fruits étaient vendus ? Quelle quantité ? Étaient-ils vendus sur des marchés ? Chez Carrefour ? J'ai passé 6 mois à créer le nouveau protocole d'application d'un logiciel qui modéliserait toutes ces informations. J'ai créé Fruitex. Alors, naturellement, en rentrant de trois, je me suis dit, Antoine, quel fruit peut bien être la société sans fils ? Et figurez-vous que j'ai la solution. La société sans piste, c'est simple comme du salaire. C'est coupé en plein de petits morceaux, mais rassemblé, ça fait une société. Attends, mais c'est pas un fruit, ça. La société est profondément fragmentée par les bicursus, les procédures d'entrée, les triplettes, les associations, les origines sociales. Elle est comme une mosaïque. Et qu'est-ce qu'une campagne B2 si ce n'est rassembler toutes les pièces d'un même puzzle? Manger tout salami. La saucisse. Pourquoi vous croyez qu'on vous a recruté ? Toi, Julien, t'es le province. Ouais, c'est un peu parisien, ça. Je suis de Puy-en-Velay, en fait. Ah, région Rhône-Alpes-Auvergne, ça. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs... C'est le milieu de la France, ça. C'est nul. Quoi ? Écoute, le milieu, ça veut dire qu'on a ni les voies du Sud, ni les voies du Nord, et surtout pas les voies des Parisiens. Tu fais un effort, et tu viens de Lille, toi, Lise. C'est le Limousin. Montage joli en fait. Écoute, moi j'ai déjà 3 CEP, un du 93, un du 94, même un du 95. Donc tu comprends, l'Île-de-France, elle est à moi, ok? Moi j'ai besoin de toi, de ta bonne tête de fille de producteur laitier, pour gagner le cœur de la province. La province, province, tu vois. Vous voyez tous, cette campagne peut être gagnée et elle va être gagnée. Tout ce que je vous demande, c'est de bons petits morceaux de salade. Toi, Michael. Moi, en fait, je suis dans l'office BDE. Hein. Désolé. Ah. Salut. Aucun problème. Connard. Sauce pâte de fruits, oui, à la pâte de fruits, non, à la pâte d'amande. Salut, t'as déjà entendu parler de sauce pâte de fruits ? Non. Mais justement, j'ai parlé de ce sujet à mon oral d'admission. Et tes IP, ça s'est bien passé ? Oui, j'ai eu comprendre le Mozambique du 16e siècle, comme prévu. Oui, enfin, j'ai eu comprendre le Mozambique du 16e siècle, comme prévu, jeudi de 8h à 10h. Ah oui, oui, j'ai eu comprendre l'économie et la société du Mozambique au 16e siècle. Quand ça ? Jeudi de 8h à 10h. John ? Oui, quoi ? C'est juste qu'il fallait que je réponde sur le mur de promo. Il y a un type qui demandait les dates des galops, du coup j'ai mis un même. On se connaît ? On se connaît pas encore, mais je suis sur Facebook. Donc je connais tes goûts, tes opinions politiques, tes préférences sexuelles, tes amis... L'Isère des Seines ? Ouais. T'as une photo de profil à la plage ? Oui. Avec un t-shirt blanc ? C'est ça. Un maillot de bain rouge ? Exact. 112 likes en 42 minutes, c'est pas humain. Ah ouais ? Bon, ça c'est le coup classique. En plus, c'est pas trop une erreur d'affluence sur Facebook. Non, ma plus grande fierté. Je t'explique, obligé que tu l'aies vu. C'est le jour où j'ai comparé Donald Trump. Je me souviens, tu m'avais refait ma journée. T'avais fait combien de likes déjà ? 396 likes. Ah. L'œuvre de tout un parcours.
Ouais. Bon, John, parlons peu, parlons bien. Tu sais que je suis en train de monter une liste. Est-ce que ça t'intéresserait de nous rejoindre? Parce que je te verrais très bien à la com. Liste BDE? Oui. Avec toi? Ouais. Ouais, il y a moyen. C'est vrai? Cool. Bah alors, le premier truc que tu vas me dire, c'est par rapport à un truc que je voudrais commenter sur le féminisme. Non. Jamais un truc en rapport avec le féminisme, ouais, sur le mur de promo. D'accord. Non, mais... Non, mais rigole pas avec ça. Ah bon? Ah, énorme. Ok. Salut. Salut, connard. C'est un politica que t'as là? Oui. Et tu sais ce qu'on leur fait aux poulets dans les abattoirs? On les arrache du ventre de leur mère pour savoir des poussins et on les jette dans une broyeuse. Ça fait chrrr avec plein de petites plumes qui volent partout et du sang de poussin. Ok, d'accord. Enfin, bonjour quoi. Ouais, bonjour Hitler. C'est dégueulasse ce que tu dis, meuf. Forever bathing in your male tears. Ok, d'accord. Et tu veux rejoindre l'ISBDE, BDE, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Et pourquoi? Tu me poses la question parce que je suis une femme, parce qu'un mec, on lui demande pas s'il veut rejoindre l'ISBDE, BDE, hein? Ok, d'accord, mais on m'a posé la question aussi. Ok, d'accord, tu me fatigues. Check your privilege. Mais ouais, c'est l'idée. L'UNEF doit être représentée auprès de cette bande de filles, ça va pas super friquer. Ok. C'est cool. Enfin, c'est cool que tu sois dans l'équipe. Et tu postules pour quel poste? Et je tiens à prévenir tout de suite, avec moi dans l'équipe, pas de campagne avec de l'argent des multinationales qui coulent à flot, pas de soirée dans des boîtes complices de sexisme et de la culture du viol, et certainement, certainement pas de tartine Nutella responsable de la mort de centaines de rangs. Ok, je te prends. Enfin, je veux dire... bienvenue dans la liste, quoi. Cool. Bon, j'ai une perme à tenir à café. Je file. Chef? 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 C'est l'autre liste BDE, ils ont essayé de me recruter. Mais qu'est-ce que tu fais avec un chat dans les mains? Ça, c'est Marcel, il était dans mon cours d'anglais ce matin. Tu disais pour le BDE? Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode déjà de Sciences Pâtes de Fruits, l'association qui a réussi à mélanger la science politique et la pâte de fruits. On va découvrir ensemble mon meilleur pote, Hakim, qui nous vient tout droit d'Orient et qui va nous présenter les loukoums, la pâte de fruits que vous adorez tous. Mais avant ça, on va s'arrêter sur l'actualité de la pâte de fruits. Que s'est-il passé cette dernière semaine sur le globe? À vous les studios.